Bonjour et bienvenue, nous allons repartir une nouvelle fois dans le monde de Anthem, un monde qui se fait vide et commence à prendre énormément de temps à évoluer, mais dans tous les cas, cette fois, nous allons nous arrêter sur les nouvelles armes. Je vous rappelle qu'il y a plus de 30 nouveaux objets qui vont arriver avec le cataclysme, et 9 d'entre elles sont des armes. Donc replongeons-nous dans le PTS. Encore une fois, le serveur test public est uniquement disponible sur la version PC de Anthem et ne va jamais arriver sur console, donc pour les consoleux, désolé, mais prenez votre mal en patience. Il faut aussi prendre en compte que vous allez voir du contenu qui n'est pas encore sorti, donc de 1, faites attention aux spoilers, et surtout gardez en tête que ce contenu est toujours en phase de test et donc peut comporter différents problèmes, comme des glitches ou autres. Avant de commencer, je vous invite à aller faire un tour sur ma playlist d'Anthem si vous voulez en voir plus. Vous allez y trouver des vidéos sur les différents builds de Javelin, des news, les streams des développeurs et bien entendu les tests du PTS. Puis je rajouterai aussi les liens de mon Discord et de ma chaîne Twitch si vous êtes intéressé. Maintenant passons aux choses qui nous intéressent. Il y a donc 3 nouvelles catégories d'armes et chacune d'entre elles comporte 3 armes. Vous avez les Volt Caster, les Pulse Accelerator et les Blade Slinger. Ces armes sont uniquement disponibles en version magistrale et légendaire et peuvent aussi être récupérées uniquement chez le marchand du cataclysme. Elles bénéficient aussi d'un e-level plus élevé que la normale de plus 5. Je vais donc découper ça en 3 différentes vidéos pour les bienfaits de la simplicité, donc regardez la description pour les liens des 2 autres vidéos. Dans cette présentation, nous allons donc nous attarder sur les Pulse Accelerator. La description explique que les Pulse Accelerator utilisent une technologie d'accélération de particules pour générer une énergie destructrice. Nous avons le Bad Omen, le Grave Digger et le Rain Maker. Nous commencerons donc avec le Bad Omen. Le Bad Omen charge de l'énergie pour ensuite les tirer en éclats. Donc ces tirs sont physiques, non élémentaires et peuvent aussi critiquer. L'arme fonctionne en chargeant de l'énergie puis la libère en une rafale de 5 tirs. Je vous laisse admirer. Pour le suivant, nous avons le Grave Digger. Le Grave Digger libère un courant d'énergie qui, après quelques secondes, devient de plus en plus puissant. Apparemment, les dégâts seraient purement élémentaires et basés sur le feu, et peuvent aussi critiquer. Et il semblerait aussi que le rayon double quasiment sa puissance après quelques secondes de tir. Je vous laisse admirer. Lying around.
They could at least organize them. Yeah, Scars will really do that. Try filling up the pump, Freelancer. Something. Pour le dernier, nous avons le Rainmaker. Le Rainmaker tire un rayon d'énergie qui va se diviser en plus petits projectiles avant d'atteindre sa cible. Ces tirs sont physiques non élémentaires et peuvent critiquer. Par contre, cette arme est assez intéressante. Pour moi, je la catégorise entre un mix avec le sniper et un fusil à pompe. Le tir original est extrêmement précis et peut atteindre des cibles extrêmement loin. Mais avant de toucher la cible, le tir va se diviser en apparemment 10 différents projectiles qui vont chacun faire un certain nombre de dégâts, comme une cartouche de fusil à pompe. Du coup, cette arme peut être extrêmement efficace de loin comme de près. Je vous laisse encore une fois admirer. Ceci va donc mettre fin à notre démonstration. Mon arme préférée va bien entendu être le Rainmaker. Il est pour moi utile de loin comme de près et peut être aussi extrêmement puissant sur des ennemis plus larges avec de grosses zones de critique. Les projectiles, même une fois séparés, restent assez concentrés en une zone pour vraiment briller au niveau des dégâts. Une des armes les plus puissantes entre de bonnes mains. Merci infiniment d'avoir regardé, tous les liens utiles de la chaîne sont dans la description et je vous souhaite bonne chance dans le monde de Anthem.